Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jeudi 15 septembre 2022. Allez, donc aujourd'hui j'ai pris le tarot des anges gardiens, donc on aura un message de son ange gardien. Alors j'espère, c'est pas trop fort, allez, on va aller chercher un petit message, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu passer un bon mercredi. Allez, on s'installe et on va aller découvrir les énergies pour ce jeudi. Alors, pour l'énergie générale, hein. Oula, on en a une qui s'est quand même retournée. Alors, nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger, en retour, la terre nourricière et les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. D'accord ? Donc prenez soin de la nature hein, pour cette journée de jeudi, d'accord ? On vous, quand même... Le message qu'on fait passer déjà dans la première phrase, c'est qu'on vous dit que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez aujourd'hui. Donc là, vraiment, on vous montre que l'univers ou que vos croyances, d'accord, sont reconnaissants envers vous sur le fait d'avoir surmonté des épreuves, d'avoir évolué par rapport à sa conscience, à son mental, à la façon de voir les choses dans la vie ou par rapport aux des situations qu'on a pu vivre, d'accord. Donc là, voilà, on vous... fait passer le message que on a vu tout ce que vous avez fait, d'accord. Ce que vous avez aujourd'hui, alors je parle en positif, hein, ce que vous avez aujourd'hui, c'est que vraiment vous le méritez. Donc si en cette journée, vraiment, vous pouvez recevoir un miracle, un cadeau, une proposition, une aide, c'est que vraiment vous le méritez, d'accord. Allez, on est parti pour les béliers. Bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Faites attention à votre entourage, les béliers. Hein, on fait confiance aux gens. Faites-vous confiance dans votre intuition, d'accord ? Taureau, maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple, éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Pour nos amis, les Gémeaux. Le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. C'est vous qui devez voyager et prendre un avion. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Pour les cancers, guérisseurs de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et à la décoration ouverte et mature. Pour nos amis les lions, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance des louanges et votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Ah, on rejoint l'énergie générale hein, de la journée. Pour les lions, pour nos amis les vierges, on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon.
Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Journée de love pour les vierges. Balance, as de l'émotion, ce chérubien annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être renoncer, quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Pour nos amis les scorpions, exprimez ses rêves, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient vos anges, afin que vous guidez dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pour vous les scorpions, beaucoup de signes en cette journée pour vous aider à vous guider. Les sagittaires, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Pour nos amis les Capricornes, nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. On peut parler de déplacement pour vous les Capricornes dans cette journée qui vont vous amener peut-être... pour certains, il y a des déplacements qui vont vous amener sur votre chemin de vie, peut-être sur votre lieu de résidence, des déplacements à prévoir. Pour les Verseaux, as de la prospérité, c'est ce chérubien, j'ai vu en C, alors ça m'a fait penser à l'abréviation, non mais n'importe quoi. Ce chérubien vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Ah, les Verseaux, pour certains, monter son entreprise... se servir de sa création pour peut-être mettre en œuvre certains projets, ok. Et pour nous, les poissons, nous avons la satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, ben, les poissons, hein, savourez. Même si tous vos rêves ne sont pas réalisés, en tout cas, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont soit réalisés ou soit qui sont sur le point de se réaliser. Donc, profitez, les poissons, vous avez bien travaillé. On fait la coupe et on va aller prendre la carte pour la conclusion. On a fait preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Donc là, on vous demande de voir peut-être la situation ou la relation sous un autre angle, hein, d'accord, pour pouvoir percevoir d'autres solutions de sortie, d'autres situations, d'autres chemins pour parvenir à votre but, d'accord. Donc prenez du recul. On vous dit de ne pas être inquiet, ok, et que peut-être que pour le moment, pour certains, vous avez besoin d'un temps de pause, où vous sentez que les choses sont stoppées, qu'elles n'avancent pas. Donc voilà, profitez de ce moment de pause, hein, pour souffler, pour vous... Oula, ça chauffe ça derrière. J'ai pas trop envie de me faire cramer les cartes quand même. Du coup, je sais plus ce que je disais. Enfin voilà, on vous parle d'un temps de pause. Pour peut-être, enfin, en tout cas, qui va vous permettre de reconsidérer votre objectif, de reconsidérer votre chemin pour arriver à votre but. Il y a des choses qui se remettent en question. On voit certaines situations différemment. Donc voilà, il y a des prises de conscience. Hein, c'est les énergies un peu actuelles. Donc n'hésitez pas à vous recentrer sur vous, allez vous balader dans la nature,
prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez, ça va vous permettre de vous recentrer en fait, d'accord, de vous aligner, et ça va vous procurer un plaisir immense. Et voilà, le fait de vous procurer un plaisir immense, ça va élever vos vibrations, vous allez peut-être pouvoir percevoir la situation sous un autre angle, d'accord. Pour d'autres, ça peut être des personnes qui peuvent venir à vous pour soit vous montrer qu'il peut y avoir une autre solution, ok, vous apporter une aide. En tout cas, voilà, il y a une lumière qui est faite sur une situation en cette journée de jeudi. Voilà les amis, alors j'ai fait un peu la vidéo un peu plus courte, je vais essayer de faire le caféscope un peu plus court, j'estime que voilà, pour des messages, là bon je suis à 10 minutes, bon je finis pour expliquer le truc, mais après j'expliquerai pas à chaque fois. Voilà, pour essayer de faire un peu plus court, parce que bon voilà, c'est des messages, on va pas épiloguer 107 ans, je préfère prendre du temps quand je fais des tirages. Voilà, et là il va falloir que je commence les tirages par signe pour le mois d'octobre. Je vais me concentrer sur ça maintenant, ok. Et j'aimerais bien essayer de vous les mettre en ligne pour le 25, d'accord. Donc je vais essayer, je garantis rien. Voilà. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une belle journée en ce jeudi. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez que je change ou si ça vous plaît tout simplement ou juste pour me dire même bonjour. Voilà, un petit coucou. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à, je sais plus trop combien je suis là, 586 je crois, j'ai vu ce matin. Merci à mes 186 abonnés, puis merci à tous les futurs qui arrivent. Et voilà, allez, assez blablaté, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain. Bye bye.